rendu constater. Il était venu aussi plusieurs fois à ma maison. Il nous répéta que dans toute la France, il n'avait entendu qu'une fois en faveur de ma mère et de moi. Il désirait beaucoup un recueil des romances que j'avais composées et fait graver pour quelques personnes de ma famille. Je lui donnai et j'ai fait cadeau aussi à l'empereur de Russie de l'original manuscrit qui a été depuis déposé à l'Ermitage. Le roi de Prusse et toute sa famille vinrent aussi à la même maison le même jour que le grand-duc Constantin. Ma mère, déjà souffrante, fit un effort pour descendre les recevoir. Elle ne paraissait être qu'en journée et sa santé, habituellement si forte, ne permettait pas la moindre inquiétude. Moi-même, j'étais assez rassurée pour me rendre à Paris afin d'y finir quelques affaires. L'empereur de Russie, apprenant que j'y étais, vint encore me faire une visite. Il venait de dîner chez le roi de France. Il ne put s'empêcher de plaisanter sur ce qu'il y avait vu, sur la longueur de du repas, sur le plaisir qu'on y prenait, et cela s'arrêtait jusqu'à me dire que le palais des Tuileries est différemment habité, qu'enfin c'était un grand homme qui s'y trouvait il y a quelque temps, et à présent, il n'acheva pas sa phrase. Et moi, j'ai trouvé plus convenable d'échanger de conversation. Mon frère arriva de la maison où il avait laissé ma mère plus souffrante. Elle s'était fort affectée d'un article de journal où il était question de mon fils mort en Hollande et déposé depuis quelques années dans l'église de Notre-Dame en attendant qu'une salle de centenaires fût achevée pour le recevoir. Ce journal annonçait d'une manière offensante qu'on allait l'ôter de la place où il était pour le mettre dans un cimetière commun. Pour ménager ma sensibilité, on avait voulu me cacher cet article, mais enfin, il fallait bien me le faire connaître pour que je puisse réclamer ce dépôt précieux. Ce qui me toucha le plus vivement, je l'avoue, ce fut de découvrir tant de haine dans ceux auxquels le bonheur de mon pays était remis, insulté au dépouillé d'un être innocent, parce que, qu'auparavant, quelque soir, avait reposé sur sa tête ce qu'un peuple entier a respecté, même un instant, ne doit-il pas commander plus de respect? Il n'y a ni politique ni dignité dont un pareil mépris, puisqu'il est un outrage au sentiment d'une nation aussi bien qu'au cœur d'une mère. Pour moi, loin d'être trop sensible à ces déplacements dont on voulait faire une injure, j'ai pensé que j'aurais le reste de mon fils à saluer plus près de moi, et que celui-là, du moins, serait à l'abri de la haine. Je me bornais à plaindre les parties qui s'est laissé aller à un esprit de vengeance si misérable contre les tampons, et j'ai prévu jusqu'où il serait capable de se porter. On me dit que j'aimais à le croire que le roi et sa famille étaient étrangers à cette offense. Je me rendis sur le champ près de ma mère, que j'ai trouvée avertie et toute préoccupée au cœur de cet article de journal dont elle avait redouté l'effet sur moi. Je m'aperçus qu'elle avait de la peine à parler. Son médecin prétendit qu'elle n'avait pas de fièvre, que je vais tort de m'inquiéter, que c'était une simple rhume, que son pouls était mieux que le mien. Car à cette époque, j'étais menacée d'une maladie de consomption et ma santé donnait de vives inquiétudes. Je ne quittais pas ma mère. Je la regardais et je voyais que de moment en moment, sa respiration semblait devenir plus embarrassée. J'ai appelé son médecin et après une longue discussion, j'ai parfum, elle a décidé à lui poser une vésicatoire au col. J'ai cru avoir gagné une victoire, tant il s'obstinait à le regarder comme inutile. Rassuré par cette précaution et malade moi-même, je me mis au lit.
J'attendais peu le lendemain au résultat heureux de vésicatoire. Il avait pris, il est vrai. Mais je suis étonnée de trouver là tout de ma mère beaucoup plus sèche. J'ai su, depuis qu'elle avait bu une verre d'eau, des salites de fort bonheur, espérant se dégager la poitrine. Et ce fut là, je pense, la cause d'une plus grande irritation. Vin pour me tranquilliser, son médecin qualifiait-il toujours ce mal de simple rhume. J'ai voulu faire venir le mien et de crainte d'effrayer ma mère, je lui ai dit que c'était pour moi, qu'elle me ferait plaisir de le consulter par occasion. Non, répondit-elle, je ne veux pas voir d'autres médecins, cela ferait de la peine au mien. Je nous ai insisté, ma mère gisait toujours d'une si belle santé que je ne pouvais m'avouer à moi-même qu'elle eût couru le moindre danger. Et pourtant, je ne sais qu'un qui, toute vague, ne cessait de m'agiter. Une fin dans la journée, l'empereur de Russie envoya son premier médecin. Quoique fort avertu, elle lui dit avec sa grâce ordinaire, je vous prie de remercier l'empereur de Russie. Son intérêt, j'espère, me portera bonheur.